petites années très en tête que les années en demain. Et la chute oui. Bonjour les abonnés de ma mère. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la veille de la rentrée scolaire. Nous sommes le 5 et la rentrée scolaire chez nous, c'est le 6 septembre. Donc là, nous sommes le soir. Les filles sont trop contentes d'aller à l'école. Maman. S'il te plaît. Maman. Mais tu as ça, ma fille, c'est ton cahier. Donc, les filles, elles sont trop contentes d'aller à l'école. Et pour les fournitures scolaires, vraiment, je me suis poussée à la dernière minute. Ce n'est que vendredi que j'ai pu acheter les fournitures scolaires. Donc, là, nous sommes dimanche. On va marquer. La petite, on mettra dans son sac. Mais à l'école, demain, on va donner à la maîtresse. Parce que les matériels, toutes les fournitures restent chez la maîtresse. On ne nous envoie que les devoirs à la maison le soir. Mais la grande, elle va avec tout. Et elle revient avec. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je vis en Afrique au Cameroun et je fais des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation. En fait, je parle de la vie de maman pour aider ou alors pour qu'on échange ensemble et qu'on se partage les astuces. Ma fille est née, elle a 7 ans, la deuxième a 3 ans. Donc, je pense que j'ai la légitimité de parler de la vie de maman de par mon expérience. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, laissez-moi un pouce bleu s'il vous plaît. Vous avez l'habitude de visionner sans liker. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker. Likez d'abord. Donc, on se retrouve pour continuer la vidéo. Dans cette vidéo, je partage avec vous tout ce qui s'est passé la veille et le jour de la rentrée scolaire et mon organisation pour ne pas stresser le matin et déposer les enfants à l'heure à l'école en toute sérénité. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à rester jusqu'à la fin. Je commence par trier les effets de chacune d'elles avec la liste de l'école. Je regroupe les livres de la grande et ses cahiers, je regroupe ceux de la petite. Puis, une fois regroupés, je prends le tas d'une personne, je commence à marquer. Je mets les noms. Donc, pour ma toute petite, dès que je termine d'écrire son nom dans son cahier, elle récupère, elle met dans son sac. Elle range quand même bien. Mais à la fin, je dois reprendre son sac et revérifier, me rassurer que les cahiers ne sont pas pliés. Même si on a le souhait de les rendre autonomes, il est important de revérifier ce qu'ils ont fait. Après avoir terminé avec les effets de ma petite, je vais écrire le nom dans les livres de ma grande. Mais elle-même pour les cahiers, elle écrira. J'ai également mis le nom sur le sac de ma fille, de ma petite, à un endroit qui est quand même un peu discret. Ne pas mettre le nom de l'enfant où, à distance, quelqu'un verra et peut même l'appeler, faire croire que la personne la connaît. Les mamans, vous comprenez et vous savez de quoi il est question. Ensuite, je viens terminer de ranger les effets de ma grande. Elle a vraiment beaucoup de cahiers et de livres. C'est énorme. Je n'ai pas fréquenté avec autant de cahiers au cours de mon tête de vraiment la section anglophone. Trop de cahiers. L'enfant porte son sac, tu as même pitié de lui, tellement c'est lourd. Ensuite, je vais tailler ses crayons, me rassurer qu'elle a ses bics, gommes, règles dans sa trousse. Je vais écrire son nom sur sa trousse également. Dans son sac aussi, je vais chercher un endroit où écrire son nom, mais je vais lui montrer. Dans le cas où, en classe, plusieurs enfants ont le même sac ou la même trousse, on ne sait jamais. Après avoir tout organisé, les fournitures, mettre dans les sacs, est venu le moment d'aller au lit. Donc avant de les mettre au lit, on va prier. Mais avant de prier, je vais leur donner quelques conseils pratiques pour le lendemain. Je vais avoir une petite discute avec elles pour les avertir de tous les dangers qu'elles peuvent courir à l'école. De certains camarades qui peuvent être troublants, désobéissants et désordonnés. Donc je vais échanger avec les enfants, même si j'ai commencé à le faire il y a déjà quelques jours. Il est important de le faire même tout au long de l'année. Ma grande, il y a des choses qu'elle comprend déjà très bien. Mais ma petite, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas encore. Mais je rappelle quand même, ayant espoir que si jamais elle se retrouve dans une situation, que quelque chose lui vienne en tête et que Dieu lui vienne en aide.
Maintenant est venu le moment de prier. En cette veille de rentrée scolaire, je confie mes enfants à Dieu. Je couvre mes enfants et toute cette année scolaire dans le sang de Jésus. Leur protection, leur santé, leur intelligence dans le sang de Jésus. Et qu'au nom puissant de Jésus, je déclare que toute arme forgée par le royaume des ténèbres contre mes enfants soit complètement nulle et sans effet. Et je prie également pour tous les enfants du monde entier qui retournent à l'école, pour tous les innocents que le Seigneur les garde et les protège. Après la prière, ma grande elle va se coucher tranquillement. Mais ma toute petite, non, les problèmes, elle ne veut pas se coucher. Pourtant, elle sait que demain il y a école, mais elle ne veut pas se coucher. J'ai même essayé de négocier en lui disant, « Ouais, ma fille, s'il te plaît, va te coucher, que ma vidéo ait au moins quelque chose de normal. » Sans parler, elle m'a fait comprendre que non, maman, c'est le normal de ta vie ici. C'est le normal de ta vie ici. J'étais donc obligée de la calmer, de la baisser encore pour qu'elle puisse s'endormir. Avec cet enfant, ça n'a jamais été facile de coucher. Jamais. C'est toujours le combat. Donc, enfin couché, je vais enfiler la moustiquaire et je vais poser leur bouteille d'eau. Puis, je vais aller à la cuisine, mettre la friteuse en place, faire chauffer de l'eau. Ma bouilloire m'a laissé tomber net à la rentrée scolaire. Maintenant, je suis obligée de chauffer de l'eau dans ce gobelet inox dans lequel j'avais l'habitude de chauffer uniquement du lait. Ensuite, je vais remplir les gourdes des enfants pour ne pas avoir à le faire le matin. Parce que pour moi, en fait, je le dis tout le temps, une journée réussie se prépare à la veille. L'organisation commence à la veille pour que le matin, tout commence sans stress et dans la sérénité. Après avoir chargé les gourdes d'eau des enfants, je vais poser mes pommes de terre. On m'a fait la remarque que j'aime trop dire pommes, pourtant c'est pommes de terre. Je vais poser les pommes de terre avec les ustensiles. Là, le matin, je vais juste commencer. Entre-temps, l'eau a bouilli. Je vais charger dans le thermos pour que le matin, je me lève juste et je fais le déjeuner des enfants. Puis, je vais mettre la table du petit déjeuner. Donc, je vais apprêter tout le nécessaire du petit déjeuner, aller ranger, poser sur la table, de telle sorte que le matin, les enfants viennent juste s'asseoir. Ce sont des petites choses comme ça qui nous font vraiment gagner en temps le matin. On a l'impression que c'est rien du tout, mais si vous deviez tout faire cela le matin, croyez-moi, vous serez en retard. Ou bien il va falloir vous lever trop tôt. Oh là, je fais tout ceci. Je me couche au plus tard à 22h30 pour me rassurer d'avoir fait mes 7 heures de sommeil. Parce que le sommeil, c'est important pour une maman. Ensuite, je vais dans la chambre apprêter les vêtements des enfants, du moins les sous-vêtements, parce que les tenues ne sont pas encore repassées. Mon mari va le faire le matin. Donc, je mets le collant, le caleçon, les démembres. Vous savez déjà comment j'habille les enfants. Ensuite, je mets leur cache-nez et je mets leur ballerine. Leur école, ses chaussures noires, rien à faire. Après avoir fait cela, je vais aller me coucher, donc je vais dormir. Je vais aussi également faire ma prière à moi. La prière que je ne fais pas forcément devant mes enfants. Une fois réveillée, j'ai constaté que les pommes étaient lavées. Mon mari, quand je suis allée me coucher, il a bien lavé les pommes tout propre. Jusqu'à ce que quand j'ai épluché, je n'avais plus besoin de laver avant de découper. Du coup, plus besoin d'égoutter les pommes parce que quand on lave, on découpe, il y a de l'eau qui sort. Là, j'ai juste épluché et me mettre à découper. C'était vraiment rapide.
Et quand je versais dans de l'eau, ça ne faisait pas comme quand je découpe souvent les pommes avec de l'eau dessus. J'égoutte, l'eau ne quitte pas tout. Je verse dans la friteuse, ça fait tchouanan. Ce jour-là, franchement, le tchouanan était réduit parce que les pommes étaient bien lavées, bien propres, bien sèches. Je n'ai pas eu besoin de les laver. Ensuite, je viens de découper avec mon coupe-coupe qui donne une forme un peu un genre aux pommes. Je ne sais pas comment expliquer ça. En faisant un peu comme une forme de sinusoïde. Voilà le mot que j'ai pu trouver. Ensuite, je vais mettre un peu de sel, bien mélanger tout et venir brancher ma friteuse, mettre l'huile à chauffer. Pour l'huile de la friteuse, j'aurais dû mettre bien avant pour que ça chauffe et que après avoir découpé, je verse directement. Mais bon, c'est pas bien grave, la friteuse chauffe très vite. Donc pendant que ça chauffait, j'étais en train de nettoyer les ustensiles que j'ai utilisés. Je suis donc venue verser dans la friteuse et puis je vais apprêter où est-ce que je vais poser les pommes. Donc je vais mettre un papier absorbant pour qu'à la fin je verse les pommes dessus. Puis je vais au frigo enlever tout ce dont j'ai besoin pour faire les œufs des enfants. J'enlève aussi les bananes pour que ce ne soit pas trop glacé au moment de partir. Donc je viens de découper tout ce dont j'ai besoin pour les œufs. Je mets aussi la sardine. Vu que j'ai acheté les sardines en boîte, il n'y a pas de sardines fraîches en poissonnerie. Ensuite, le premier tour des pommes est prêt. Je dois enlever vu que la friteuse ici est cuite quand même rapidement. Hein. Si je règle à 10, je risque d'enlever les pommes avant même que ça ne siffle. Sinon, ça va trop dorer. J'enlève donc le premier tour que je verse sur mon papier absorbant. Là, ça va bien enlever de l'huile. Après avoir enlevé de la friteuse, j'ai bien secoué pour que l'huile sorte. Mais je verse encore sur le papier absorbant. Puis, je mets le deuxième tour des pommes dans la friteuse. Je dépose la poêle pour les œufs avant d'aller réveiller les enfants. Mais quand j'arrive dans la chambre, je les trouve avec papa qui les a déjà réveillés et elles sont déjà prêtes à venir déjeuner. Elles vont donc venir s'asseoir pour leur petit déjeuner. Il est important de ne pas laisser un enfant de moins de 10 ans aller à l'école le matin sans manger. On doit toujours se rassurer qu'ils ont quelque chose dans le ventre avant de sortir de la maison. Parce que le goûter qu'on met dans leur sac, on ne sait vraiment pas si arrivés à l'école, ils vont manger ce goûter. Pour certains, ça se verse. Certains camarades peuvent même tout manger. Ce sont des choses qui arrivent, vous le savez. Donc, vaut mieux se rassurer que son enfant est sorti de la maison avec quelque chose dans le ventre. Au moins avec ça, l'enfant peut tenir. Quand je les ai mis à table, je les ai laissés. Je suis retournée à la cuisine pour enlever mon deuxième tour de pomme. Puis je suis revenue. Elles ont voulu que les cornflakes soient versés dans des bols, pas directement dans le lait, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai porté mon plateau de déjeuner, je suis rentrée à la cuisine et laissant papa continuer à se rassurer qu'effectivement elles sont en train de manger. Je suis donc allée à la cuisine terminer avec le goûter dont j'ai fini de faire frire les œufs et mettre dans leur bol frites de pommes de terre et omelette.
En plus de ça, elles auront chacune une banane et ce jus. Une fois les lunchbox apprêtés, on se retrouve dans la salle de bain pour le nettoyage des enfants. Je n'ai pas l'habitude de laver mes enfants le matin. Du coup, le matin, après que je les ai brossés, je brosse juste la petite, hein, la grande, elle est vraiment autonome. Ensuite, je vais les nettoyer avec le gant, mais c'est toujours de l'eau tiède. Ensuite, la petite, elle a bien voulu aller au pot et ça m'a plu. C'est vraiment bien que l'enfant aille au pot le matin avant de sortir. La plus grande était déjà allée avant elle. Donc elle est allée au pot, j'ai un peu patienté. Ensuite, j'ai terminé de la nettoyer. Nous sommes allés dans la chambre pour les habiller et mon mari avait déjà repassé leur tenue. Pareil, je vais juste habiller la petite, la grande va s'habiller toute seule. Quand elle s'habille, parfois il y a des choses que je revérifie, parfois pas. Parfois elle fait tout normalement. Mon petit bébé a grandi, la tenue est déjà presque au genou. Pourtant l'année dernière c'était à la cheville. Quand je termine donc de les apprêter, moi aussi je vais m'apprêter. Je viens terminer de mettre le linge dans leur sac. Je me rassure qu'on a tout pris et on se met en route pour l'école. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai quand même partagé quelque chose qui pourra aider certaines mamans à ne pas stresser le matin. Donc toujours évoluer le soir à au moins 60% et terminer le reste le matin. Surtout, privilégier son sommeil. Il faut bien dormir, pas besoin de se lever à 3h ou à 4h pour apprêter les enfants. Apprêtez tout en soirée. Portez-vous bien, bonne rentrée scolaire à tous nos enfants et du courage à nous les parents. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés à ma chaîne. Bye bye!